Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 28 septembre. Le nouveau directeur du Fonds monétaire international s'appelle Dominique Strauss-Kahn. Après avoir reçu le soutien des Américains et des Européens, l'ancien ministre des Finances a été élu facilement. Lui, qui se veut à l'écoute des préoccupations des pays émergents, était symboliquement le jour de son élection au Chili aujourd'hui. 8 ans de prison ferme pour les deux mineurs dans le procès de l'autobus incendié de Marseille. La décision est tombée en fin de journée. Elle a été accueillie en silence du côté de la famille des victimes et notamment de la famille de la jeune Mama Galédou. La guerre de l'image et des informations en Birmanie. La junte militaire aurait coupé la principale liaison internet du pays. L'opposition démocratique a une nouvelle fois aujourd'hui été réprimée par les forces de sécurité du pouvoir en place. Nous irons en avant-première découvrir les nouveautés du salon du deux-roues. Il ouvre ses portes ce week-end à Paris. Si le vélo connaît un succès grandissant, c'est le scooter qui suscite, vous le verrez, toutes les passions. Enfin, retour sur un concert pas comme les autres hier soir à Toulouse. L'orchestre a ainsi joué à la commande, répondant aux envies du public et réclamé à la criée les œuvres qu'il souhaitait entendre. Expérience étonnante à suivre à la fin de cette édition. Et commençons ce journal par cette image, la seule image qui existe des deux hommes, Nicolas Sarkozy et Dominique Strauss-Kahn, ensemble. Elle date du 14 juillet dernier. Ce jour-là, le président de la République a porté publiquement son soutien au candidat français au poste de président du FMI, et cela devant les responsables européens. Un soutien, une rencontre ensuite au mois d'août, des entretiens, et puis une campagne internationale de l'ancien ministre des Finances qui a porté ses fruits avec l'élection aujourd'hui du candidat français. Dominique Strauss-Kahn est donc devenu directeur général du Fonds monétaire international. On pourrait appeler cela la tentation de Washington. Explication, Jeff Wittenberg. Le visage était déjà celui d'un vainqueur. Il y a une semaine, Dominique Strauss-Kahn passait son grand oral devant le Fonds monétaire international, apparemment sûr d'en devenir le directeur. Ce matin, c'est un jour important quand même. Sera, comme depuis le début du processus. Les initiales DSK et FMI sont désormais accolées. L'annonce officielle en a été faite il y a 3 heures. Sur Monsieur Dominique Strauss-Kahn. Premier à réagir, le président de la République salue une grande victoire pour la diplomatie française, mais pas seulement. Je voudrais saluer Dominique Strauss-Kahn que je viens d'avoir au téléphone et lui dire combien je suis persuadé qu'il sera un excellent responsable du FMI. Je voudrais dire aux Français que c'est ça l'ouverture. Brillant professeur d'économie, avocat d'affaires reconnu, polyglotte, nanti d'un solide carnet d'adresses, les portraits de Dominique Strauss-Kahn sont souvent flatteurs. Ministre de l'économie de Lionel Jospin, il est celui qui incarne et assume la social-démocratie. C'est sous cette bannière qu'il concourt à la primaire socialiste sans succès. On connaît la suite. Ségolène Royal, candidate du PS, battue le 6 mai et DSK amère ce soir-là. Je crois que c'est une très grave défaite. D'autant que c'est la troisième fois consécutive que nous perdons une élection présidentielle. L'idée de quitter la scène nationale commence à germer. L'Europe propose sa candidature au FMI, Nicolas Sarkozy l'appuie, DSK se lance. Il n'y a pas écrit qui a voté pour moi là. Fini Sarcelles et ses campagnes dans les bistrots, ses électeurs ce sont les dirigeants de la planète, Rio, Pékin, Buenos Aires comme ici. La solution DSK se vend bien. À Paris, ses amis du PS se sont fait une raison. Il avait défini un certain nombre d'idées, d'ailleurs. Beaucoup sont reprises aujourd'hui, même par le président de la République. Voilà, c'était le meilleur. Donc, il n'y en a pas d'autres. DSK avait un rêve présidentiel. Dans la réalité, il a promis de réformer le FMI. Dominique Strauss-Kahn va donc prochainement prendre la direction de la capitale américaine pour occuper l'un des postes économiques les plus prestigieux, une consécration économique après des désillusions politiques. Directeur général du FMI, le Fonds monétaire international, c'est un titre, une fonction qui reste peut-être un peu floue ce soir et qui mérite donc quelques explications. Alain Chalvron et Aaron Diamond se sont rendus dans les coulisses de l'institution. On a souvent dit que cet immeuble est le centre de l'économie mondiale et que l'homme qui occupe ce bureau est l'homme le plus puissant du monde. Excessif sans doute, n'empêche que le FMI a souvent eu un pouvoir de vie ou de mort sur des économies faibles. Quand un pays a des difficultés financières, le Fonds monétaire prête. Et qui prête en fait? Les autres pays. Comme ces gens-là veulent être remboursés, et c'est légitime, ils mettent des conditions de retour à la normale dans le pays emprunteur,
Et ce sont ces conditions, ces conditionnalités qui sont parfois débattues, parfois critiquées, quand elles sont jugées trop dures. Licenciement de fonctionnaires, dévaluation spectaculaire, suppression des subventions pour les produits alimentaires, etc. etc. Les oukases du FMI provoquent des émeutes de la faim à travers le monde. L'institution est qualifiée de monstre froid ou de pompier pyromane, tant ces recettes ultralibérales ont provoqué le chaos comme ici en Argentine en 2001. Le problème, c'est qu'ils poussaient les pays à libéraliser leur commerce, à privatiser des industries au mauvais moment. Mais le FMI a changé et il sait que s'il veut continuer à travailler dans les pays pauvres, il faut qu'il change encore plus. C'est vrai et c'est nouveau, le FMI fait désormais son autocritique. Nous devons nous assurer que nos décisions sont prises en fonction des meilleures informations objectives sur les pays et qu'on tire enfin les leçons des erreurs du passé. La croissance mondiale soutenue a enlevé beaucoup d'influence au FMI qui se trouve confronté à un autre problème: que faire des 150 milliards de dollars dont il dispose. L'autre information du jour, c'est donc la décision qui est tombée en fin d'après-midi, décision du tribunal pour enfants de Marseille. Les deux adolescents jugés pour l'incendie criminel d'un autobus en octobre dernier ont été condamnés à 8 ans de réclusion. Avant le délibéré, le président du tribunal avait demandé aux deux jeunes prévenus s'ils avaient quelque chose à déclarer. Tous deux ont exprimé leur honte et leur regret. Stéphane Despinois, Christophe Larocca. La maman de Béchir s'est effondrée à l'énoncé du jugement. Elle est évacuée du tribunal. La tante non plus n'arrive pas à y croire. J'ai un bébé. 8 ans de détention pour Béchir comme pour Cédric, le tribunal pour enfants a été très sévère selon la défense. 8 ans pour un enfant qui n'a pas encore 16 ans aujourd'hui, c'est énorme. Je pense que l'émotion a été énorme. Et le discours éducatif ne pouvait pas passer. Les parents de Mama Galédou, eux, n'expriment aucune satisfaction. Le procès ne les a pas soulagés. Nous attendions la vérité. Nous ne l'avons pas obtenue. Je souhaite qu'elle puisse avoir la sérénité qui lui permettrait de reconstruire, hein, toujours dans la dignité. Ce matin, la maman de Cédric, elle, n'a pas pu garder sa sérénité. Le procureur vient de requérir 12 ans de prison contre son fils. Selon elle, la justice l'oblige à choisir, se taire et rester en prison, ou parler et s'exposer aux représailles. Là, ils parlent, ils risquent. Gros, leur vie, il n'y a rien qui vaut une vie. On dit la vérité, on meurt. Dans le quartier nord, vous dites la vérité, vous êtes mort. Vous croyez que s'il avait parlé, il ne serait pas resté en vie? Non. Parce qu'il y a tous les jeunes qui attendent qui a balancé. Il y a tous les jeunes qui attendent dans le quartier pour faire sa fête. Si le tribunal pour enfants n'a pas voulu faire un exemple, il a en tout cas donné le ton pour le second procès, le procès des 6 mineurs de plus de 16 ans qui se déroulera à Aix-en-Provence début décembre. Et c'est dans ce contexte médiatique et judiciaire qu'hier soir à Chalon-sur-Saône, un bus a été incendié. Les passagers ont pu l'évacuer alors que le chauffeur tentait en vain d'éteindre les flammes. Le ou les auteurs de cet incendie criminel seraient, selon les enquêteurs, de jeunes mineurs. Benoît Gadret, Thierry Monnier. Thomas rentrait du lycée quand le bus a pris feu. Avec son téléphone portable, il a filmé la scène. En quelques minutes, le véhicule s'est embrasé. Les flammes sont montées à plusieurs mètres de hauteur. À bord, il y avait une quarantaine d'usagers, essentiellement des lycéens. J'ai évacué déjà tout le monde, j'ai sécurisé l'endroit, j'ai éteint le moteur et ensuite, bon, on a appelé les secours, quoi, naturellement. Voilà. Mais rien pu faire. Non, je n'ai rien pu faire, c'était très très vite, c'est parti en 3-4 minutes. On est descendu tout de suite parce qu'on était à un arrêt, donc on a eu de la chance, quoi, si, parce que si on avait été en plein trafic, je ne sais pas ce que ça aurait donné, quoi. Le feu a démarré à l'arrière du bus, sur une banquette où s'était installé un groupe de jeunes. La police tente depuis ce matin d'identifier le ou les incendiaires, ainsi que le mode de mise à feu. Peut-être que le feu a été mis par un jeune ou par deux jeunes, nous n'en savons rien. Un laboratoire d'expertise va nous renseigner, me renseigner, je l'ai missionné ce matin en urgence bien évidemment. Les jeunes suspectés seraient scolarisés dans ce lycée de la ville. Dans l'établissement, entre élèves, on en parle. Ils auraient fait brûler pour juste un délire au début, puis apparemment ce serait parti vite, assez vite rapidement en sucette, on va dire, et puis voilà, c'était trop tard, quoi.
Aujourd'hui, les bus sont restés au dépôt. Les 60 conducteurs choqués ont exercé leur droit de retrait. Ils reprendront demain leur travail. Le dispositif de sécurité sera renforcé. L'actualité de ce vendredi également marquée par ce lycéen grièvement blessé à Orléans dans l'enceinte de son établissement, blessé par un coup de couteau donné par un autre élève. Ce sont plusieurs camarades qui avaient suivi une formation de secouristes qui ont pu apporter les premiers soins à la victime. Christelle Bertrand, Damien Louvet. Il y a du monde ce matin dans cette cour. C'est l'heure de la récréation. Devant la cafétéria, les deux garçons se disputent. Le ton monte. Un des deux lycéens sort un couteau et poignarde l'autre dans l'abdomen. L'auteur a une forte corpulence et d'après certains témoins, il en avait assez qu'on se moque de lui. Et apparemment, ça durait depuis un certain moment. Et apparemment, il aurait été harcelé, enfin, des blagues, quoi. Et donc, à partir de ces blagues, ben, le truc s'est énervé. Parce que c'était pas la première fois qu'il était battu. Après la deuxième fois, ben, il a sorti le couteau. Les deux adolescents sont dans la même classe. L'agresseur a 15 ans. Il a poignardé la victime avec un petit couteau de chasse. Le lycéen blessé a d'abord été secouru par des camarades pompiers volontaires. On a fait les premiers gestes, c'est-à-dire on l'a allongé, on a soulevé les jambes parce que c'est une blessure à l'abdomen. Et puis voilà, on l'a soigné comme il fallait. Et puis après les pompiers l'ont pris en charge. C'est la première fois qu'une telle agression a lieu dans ce lycée technique privé catholique à la réputation tranquille. Il est évident que de façon habituelle, on travaille dans un climat serein dans l'établissement. Malheureusement, nous savons tous, et vous aussi bien que moi, que nous vivons dans un climat de violence qui peut entraîner des comportements de ce type de la part des jeunes. Et c'est ce qui s'est passé ce matin. Ce soir, l'agresseur est toujours en garde à vue au commissariat. La victime, âgée de 16 ans, a été opérée à l'hôpital d'Orléans. Aucun organe vital n'a été touché. Ses jours ne sont pas en danger. Allons à l'étranger, en Birmanie. Il est ce soir de plus en plus difficile d'avoir des informations précises sur l'évolution de la situation là-bas. Les journalistes ne peuvent plus rentrer sur le territoire et le pouvoir en place vient de couper la principale liaison Internet. Internet qui permet parfois aux citoyens qui utilisent leur téléphone de faire passer des images des affrontements. Confirmation du jour, en tout cas, le nombre des victimes de la répression pourrait être bien plus élevé que les 13 morts annoncés par les autorités. Renaud Bernard. Les militaires quadrillent la capitale. La scène est filmée par Al Jazeera. En face, les Birmans sont désarmés. Rangoon tente de dissimuler l'ampleur de la répression, mais les rares images qui parviennent à sortir du pays démontrent le contraire. La preuve, cet homme qui tombe au centre de l'écran. Un journaliste japonais, tué à bout touchant hier, comme le montre cette vidéo. Le militaire ne s'est même pas arrêté. Pour la présentatrice de la télévision d'État birmane, il s'agit d'un simple accident. Survenu alors que le reporter cherchait des informations dans la foule. Le bilan est plus lourd que ne l'admet le pouvoir. Les militaires s'en prendraient indistinctement aux jeunes comme aux vieux. C'est la guerre et on va se battre. Les soldats veulent tuer beaucoup de gens. Regardez, ils tirent. Les généraux tentent de verrouiller le pays. Pour museler la rue, le principal accès à Internet a été coupé, en vain selon ce groupe d'opposants installé en Norvège. Je ne pense pas qu'ils soient en mesure de couper totalement Internet. Eux aussi, ils ont besoin de ce réseau pour communiquer. Demain, l'envoyé spécial des Nations Unies, Ibrahim Gambari, est attendu en Birmanie. Washington exige des généraux birmans qu'il le laisse rencontrer Aung San Suu Kyi. Lors de sa précédente visite, la junte n'avait même pas daigné recevoir le diplomate. Et notre équipe a pu se rendre quelques heures en Birmanie avant d'être forcée à rejoindre la Thaïlande. Dans cette zone frontalière, les réfugiés politiques birmans tentent de suivre l'évolution de la situation dans leur pays. Et cela grâce une nouvelle fois à Internet. Reportage Christian Autain, Jacques Dubose. C'est le principal point de passage entre la Thaïlande et la Birmanie. Par dizaines, ces Birmans viennent travailler pour la journée de l'autre côté du fleuve, en Thaïlande. Au même moment en face, la ville birmane de Mayawadi ouvre ses portes aux étrangers jusqu'à 17h. Interdiction de filmer ou de photographier, sauf le marché, justement bien achalandé, et les pagodes qui respirent la tranquillité. Les violences de la capitale semblent bien lointaines. Tout à coup, un bon s'approche de nous. Parler aux étrangers est dangereux, alors il joue avec les mots. C'est calme ici.
Oui, parce que c'est la zone frontalière. Vous voulez un endroit bruyant? Ok, allez à Rangoon. Là-bas, c'est très bruyant. À Rangoon, il y a des actions. À 500 km de là, la capitale, inaccessible. Ces échos sanglants parviennent pourtant à Mesot, la ville thaïlandaise frontalière. Les nouvelles technologies se jouent de la censure de la dictature de Rangoon. Cette association défend les prisonniers politiques birmans. Victime de la répression en 1988, ce militant a passé 7 ans en prison. Pour lui, Internet est une arme décisive. À notre époque, en 1988, nous ne recevions pas suffisamment d'informations. Maintenant, c'est plus facile de communiquer entre nous. Aujourd'hui, c'est un très gros avantage pour les manifestants et les opposants. Ici, on diffuse à travers le monde des centaines d'informations recueillies chaque jour auprès des leaders du mouvement de contestation. Mais cela suffira-t-il à éviter un bain de sang? Rien n'est moins sûr. Après les violents affrontements de ces derniers jours, beaucoup redoutent ici maintenant l'arrivée massive de réfugiés, comme lors de la précédente vague de répression en 1988. Les images du président iranien qui poursuit sa tournée mondiale éclairent en réaffirmant ses ambitions nucléaires. Après des déclarations en début de semaine à la tribune de l'ONU, Mahmoud Ahmadinejad s'est rendu au Venezuela. Il a trouvé là-bas un allié de taille opposé à l'administration américaine dans la personne d'Hugo Chavez qui partage sa volonté de défier Washington. Voici maintenant l'histoire d'une affabulatrice. Elle s'appelle Tania Head et pendant 6 ans, l'Amérique a cru qu'elle faisait partie des rescapés des attentats du 11 septembre. Pire, elle était même devenue la présidente d'une association caritative pour les victimes de la catastrophe. Seulement voilà, son histoire était une pure invention. Reportage sur place, Martine Laroche-Joubert. Elle était une héroïne du 11 septembre, célébrée à l'époque par le maire de New York, Rudy Giuliani. J'étais dans la tour sud et j'ai perdu mon fiancé ce jour-là. Une survivante, selon elle, parmi les 19 rescapés coincés au-dessus de l'impact du deuxième avion sur la tour sud. Sauvée par un jeune homme de 24 ans, un courtier héroïque qui l'avait guidée dans les escaliers en feu avant de mourir. Elle avait trouvé la force de sortir de l'enfer en imaginant sa future robe de mariée, mais son fiancé avait disparu dans la tour nord. Une histoire si émouvante qu'elle voulait la partager. Elle était l'une des guides bénévoles sur le site de Ground Zero et son témoignage touchait au cœur tous ceux qui venaient se recueillir ici. Si vous croyez en la parole de quelqu'un qui était présent, vous ressentez mieux ce qui s'est passé ce jour-là. Plus de 6 ans après, ses inventions cassent son image. Elle n'était pas dans la tour, elle n'avait pas de fiancé. C'est dégoûtant pour tous les gens qui sont morts ce jour-là et pour les sauveteurs qui se sont dévoués sans relâche. Aujourd'hui, Tania n'est plus qu'une héroïne déchue. Elle n'a pas gagné d'argent mais rêvait de célébrité. Elle doit maintenant payer le prix. Les Américains détestent le mensonge. Retour en France, l'école, le samedi, c'est donc fini. La question qui faisait débat depuis plusieurs années a été tranchée. Le ministre de l'Éducation nationale, Xavier Darcos, l'a annoncé. Restait à définir encore le nouvel emploi du temps des écoliers. Eh bien, c'est la semaine de 4 jours qui a été proposée ce matin pour la rentrée 2008. Explication, Édouard Bergeon, Frédéric Bazille. Terminée l'école primaire le samedi, vive la semaine des 4 jours dès la rentrée prochaine. 8h30 ce matin, devant cet établissement parisien, les parents sont majoritairement satisfaits. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ça fera peut-être moins de devoirs et puis un peu plus de sommeil. Je suis pour la suppression des samedis matins à l'école parce que ça fout en l'air les week-ends. Et voilà, et le vendredi soir, se mettre à faire des devoirs pour le samedi matin, et ben c'est très difficile. Pour remplacer les cours du samedi matin, 3 heures de soutien seront assurées à d'autres moments de la semaine pour accompagner les élèves en difficulté. 4 à 5 par classe seraient concernés. Les écoles seront néanmoins ouvertes le samedi matin. Les mairies auront la charge d'accueillir et de proposer aux élèves qui le souhaitent des activités artistiques, culturelles et sportives. L'encadrement pourra être assuré par des enseignants volontaires. Moi je peux être favorable effectivement à enseigner le samedi matin pour effectivement permettre à des enfants qui n'ont pas la possibilité de partir en week-end et qui sont un peu livrés à eux-mêmes le samedi matin. Éventuellement. Sur la base du volontariat? Oui. Oui, tout à fait. Donc ça je pense que c'est une bonne chose ça, par contre. En revanche, la majorité des élèves perdra 2 heures de cours par semaine. Le temps de travail passera de 936 à 864 heures par an, ce qui reste largement supérieur à nos voisins européens.
Les petits Suédois ne font que 740 heures par an, les Allemands 670. Malgré ce rythme de travail soutenu, 15% des élèves français sortent de l'école primaire en grande difficulté. Qui me donne la solution comment faire, parce que bon, on voit qu'il y a quand même des lacunes au niveau du français, des choses comme ça. Je vois pas comment on peut faire la même chose avec 100 heures de moins. Donc, je sais pas, je pense qu'ils vont travailler sur une refonte des programmes. Le ministre de l'Éducation nationale n'exclut pas ensuite d'étendre cette réforme au collège. Une information sociale et pratique pour les usagers de la capitale. Les transports en commun risquent d'être fortement perturbés le 18 octobre prochain. C'est un jeudi. Les syndicats de la RATP ont appelé à faire grève ce jour-là et rejoignent ainsi ceux de la SNCF, une grève pour la défense des régimes spéciaux de retraite. La politique maintenant, est-il difficile de trouver sa place lorsque l'on est parlementaire UMP? Députés et sénateurs entendent bien faire entendre leur voix. Et pour certains d'entre eux, leurs différences, le budget, l'immigration, le pouvoir d'achat sont parfois source de division. Les journées parlementaires se sont ainsi ouvertes aujourd'hui à Strasbourg. Jean-François Copé, le patron des députés UMP, les a voulues interactives et modernes. Alix Bouillaguet et Philippe Jasselin étaient sur place. Depuis qu'il est ministre, regarde-moi cette coupe. À Strasbourg, le parlementaire UMP de rupture est arrivé. Oubliez les traditionnelles tables rondes, place au panel de français. L'arrivée du jeu, c'est sans tabou, évidemment, et sans langue de bois. Et sans tabou, ces Français interpellent les députés, notamment sur le pouvoir d'achat, à la clé d'improbables discussions. Pour moi, le pouvoir d'achat, c'est le panier de la ménagère qui diminue au fil des années. On achète de plus en plus de contenants par rapport au contenu. Quand je vois les chips, la part de pommes de terre et la part... Pour certains parlementaires, les promesses de campagne ne font pas tout, il faut passer à l'acte et plus vite. Ce que nos concitoyens veulent, en réalité, c'est plus de pouvoir d'achat, des revenus plus élevés. C'est ça la priorité, c'est à la limite la seule priorité de notre pays. Ne nous dispersons pas, n'enclenchons pas 10 réformes à la fois. D'autres s'interrogent. Quelle marge de manœuvre pour François Fillon avec une croissance faible et un budget qui ne rompt pas avec le déficit? Ce n'est pas encore le budget qui peut encaisser toutes les réformes que nous avons lancées, incontestablement. Nous n'avons pas suffisamment de marge de manœuvre pour véritablement engager les réformes de structure. Et c'est ça qui m'inquiète dans l'année qui vient. Il y a quelques jours, François Fillon avait promis aux parlementaires de la sueur et des séances de nuit. Demain, dans son discours, le Premier ministre devrait poursuivre dans cette veine, défendre le rythme et l'ampleur des réformes. Nous vous parlions hier d'un rapport de l'inspection du travail mettant en cause le management de l'usine Renault de Cléon. Eh bien, la direction de l'usine qui conteste ce rapport a tenu à préciser qu'il n'y avait pas eu, je cite, de système organisé de pression sur les salariés pour qu'ils renoncent à leur arrêt de travail. Renault qui ajoute qu'elle analysera tous les cas évoqués dans ce rapport. Froid, fatigue, courbature et forte fièvre. On connaît tous les symptômes de la grippe et on estime cette année qu'elle pourrait toucher 4 millions de Français, soit 2 millions de plus que l'an dernier. Et pour tenter de la contrer, la campagne de vaccination a été lancée. Aujourd'hui, elle concerne essentiellement les personnes dites à risque. Laurence Beauvillard et Tristan Lebras. À partir d'aujourd'hui, risquer d'attraper la grippe, c'est un choix. Les premiers vaccins viennent d'arriver dans les pharmacies. Aujourd'hui, moi personnellement, j'en ai vu un. Voilà. Les plus de 65 ans, les personnes souffrant de pathologies chroniques recevront un bon comme celui-ci, leur donnant le droit à un vaccin gratuit. Pour les autres, ce sera 6,26 €. Est-ce que vous faites vacciner cette année? Oui. Oui? Oui. Impérativement. Je vais le faire et en plus de ça, cette année, je l'ai gratuit. Je me suis jamais fait vacciner, mais le jour où j'aurai la grippe, peut-être. Pas trop tard. Oui, ben l'année d'après. L'année dernière, 2 millions de personnes ont contracté la grippe. Cette année, les estimations prévoient 4 millions de grippés. La grippe, c'est une maladie qui, le plus souvent, est une maladie bénigne, qui guérit en quelques jours. Mais chez les sujets fragilisés, eh bien, la grippe peut être sévère, elle peut donner lieu à des complications, voire conduire au décès. En moyenne, 7500 personnes décèdent annuellement des suites de la grippe. Le vaccin reste la meilleure arme, mais sa formule doit être mise à jour chaque hiver. Les experts de l'OMS donnent des instructions aux fabricants de vaccins chaque année pour introduire les différents virus. En général, 3 souches sont mises dans le vaccin. En pratique, la prévention de la grippe passe aussi par des mesures d'hygiène. Le grippé doit éviter d'éternuer ou de tousser sans se protéger. Il doit jeter son mouchoir à usage unique et évidemment se laver les mains après chacun de ses gestes. Deux femmes et une seule et même identité. Prénom Madeleine, nom
Moraes, voilà le nom que ces deux femmes ont porté durant presque toute leur vie, jusqu'au jour où l'une d'entre elles se voit refuser le renouvellement de ses papiers. Ils ont déjà été octroyés à une autre personne. L'administration lui annonce même que celle-ci touche depuis 22 ans sa pension de retraite. Alors, qui est la vraie Madeleine Moraes? L'ADN vient de trancher. Valérie Gagé. Leurs pièces d'identité portent le même nom, la même date et le même lieu de naissance. Mais seul le passeport restera valable. Car la vraie Madeleine Moraes, c'est elle. Des tests réalisés avec l'ADN de son frère viennent de le prouver. Cette grand-mère a vécu 40 ans en Algérie. Depuis son retour en Lorraine en 2004, elle lutte pour retrouver son identité et sa pension. Quand j'ai voulu aller pour voir pour ma retraite, on m'a dit que la retraite était versée à une Moraes. Mais moi je lui ai dit, moi c'est moi la Moraes et il n'y en a pas d'autre. Mais alors, qui est la deuxième Madeleine, celle de Saint-Étienne? Une usurpatrice ou une personne de bonne foi? Cette ancienne femme de ménage vit pauvrement avec 514 euros de retraite par mois. Elle refuse d'être traitée de voleuse. Moi j'ai travaillé, c'est pas elle. Vous voulez voir mes fiches de paye? Toutes les fiches de paye à partir desquelles elle a droit à retraite sont sous le nom de Madeleine Moraes. Ces deux femmes ont eu des actes de naissance délivrés toutes les deux par la même mairie, pour l'une en précisant qu'elle était mariée, pour l'autre en précisant qu'elle était célibataire. Donc il y a deux Madeleine Moraes. Les deux Madeleines ont un autre point commun. Ce sont deux enfants de l'assistance publique. Elles disent ne pas se connaître, mais l'une d'elles a retrouvé une photo prise pendant la guerre qui leur ressemble étrangement. L'enquête s'oriente désormais vers une possible erreur de l'administration à la recherche du nom perdu. Du nouveau, sur la planète robot, comme toujours, cette prouesse technologique nous vient du Japon. Il s'appelle Ashimo et l'objectif encore et toujours ici est de s'approcher de plus en plus de la gestuelle de l'homme. Alors, pari réussi ou pas, à vous de juger, Nicolas Châteauneuf. Faire des vagues avec ses bras sur un rythme endiablé. Reproduire le fameux moulinet de John Travolta. Serrer la main d'un humain sans lui broyer les os. Pour nous, cela paraît si facile, mais imaginez pour un robot. Des millions de calculs à la seconde, de réglages et d'analyses pour ces gestes qui nous semblent si simples. Et pourtant, Ashimo, c'est son nom, est l'un des robots les plus aboutis au monde. Une merveille de technologie japonaise, fruit de 20 ans de recherche. Au début, il s'agissait de le faire marcher. Et puis, il y a eu l'intelligence artificielle et l'idée d'inventer un robot qui pourrait aider l'homme dans sa vie quotidienne. La nouvelle version d'Ashimo communique bien mieux avec les humains. Maintenant, il peut marcher à nos côtés, main dans la main, il peut aussi pousser des chariots ou porter des plateaux sur une table. Un jour, Ashimo pourra peut-être remplir des tâches dangereuses pour l'homme. Enfin, servir le café à son patron sans renverser la tasse, c'est déjà un peu risqué. À vélo, en moto, mais aussi et surtout en scooter, les Français qui vivent dans les grandes villes apprécient de plus en plus le deux roues pour éviter les embouteillages. Alors quelles sont les nouveautés du moment? Le salon qui s'ouvre ce week-end à Paris vous propose de les découvrir. Les voici ce soir en avant-première. Julien Beaumont, Didier Dahan. Et si le salon du deux-roues était en fait celui du scooter? Au Mondial de Paris, ils sont partout. Très puissants ou très logeables. Celui-ci, par exemple, avec son style un peu empâté, peut contenir 180 bouteilles d'eau. Un boom du scooter qui tire tout le marché des deux-roues. La croissance du marché du scooter ces 5 dernières années a été de 126%. La croissance de la moto dans la même période a été de 12%. Donc vous voyez que l'un est arrivé à maturité, l'autre est en pleine croissance. Les constructeurs l'ont bien compris, à commencer par les Chinois. Leurs noms sont inconnus, mais les prix parlent d'eux-mêmes, 30% moins cher. Question garantie, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, il y a 360 soi-disant constructeurs, mais en réalité, il n'y en a vraiment qu'une vingtaine qui sont vraiment sérieux. Par rapport à ça, je crois qu'au fur et à mesure, il va y avoir un écrémage de ces constructeurs et il n'en restera que 20 ou 25. La parade vient peut-être des constructeurs moto. Des styles plus tranchés, des machines plus typées. La moto ose. Look ancien, moto de course pour la ville. Bienvenue dans l'ère du toujours plus. Contrairement à l'automobile par exemple, où les volumes sont importants et où il faut être forcément grand public pour rencontrer le succès, la moto peut encore se permettre des produits de niche, des produits très typés. Et bien évidemment, il y aura toujours des clients pour nous dire qu'on ne va pas assez loin. Le vélo aussi devient plus haut de gamme. Celui-ci est électrique, 3000 euros, presque plus à sa place dans votre salon que dans la rue.
Sport avec l'actualité du jour de la Coupe du Monde de rugby. L'Angleterre, tenante du titre, joue gros ce soir au Parc des Princes face au Tonga. La France, elle, se prépare pour son rendez-vous face à la Géorgie. Les All Blacks, eux, assurent le spectacle à Toulouse. Christophe Duchiron, Virginie Travers. À défaut de chanter sous la pluie, les supporters anglais ont bu au bistrot, avec pour certains des perruques sur la tête. En somme, rien que de très normal. En attendant l'heure du match décisif qui va se jouer ce soir entre l'Angleterre et les îles Tonga, alors que les gouttes tombent du ciel, et avant de tomber de haut peut-être, les Anglais argumentent. Je pense qu'on va gagner, en fait, j'en suis même sûr, parce que cette pluie, c'est un temps qui va mieux aux Anglais qu'aux joueurs des Tonga. Échauffement des cordes vocales, c'est une chanson à boire. Il pleuvait cet après-midi à Paris, mais ce soir il y aura pyrotechnie au Parc des Princes. À Toulouse aujourd'hui, la place du Capitole était noire de monde et rose de plaisir. Comme un groupe de rock, des Rolling Stones du rugby en plus jeune, 5 All Blacks néo-zélandais, pas plus, étaient en représentation à la demande d'un sponsor. Sachant que des milliers de Toulousains étaient présents, combien d'entre eux ont pu approcher les vedettes pour faire signer un autographe et une photo souvenir? À dire vrai, pas grand monde. Mais c'est la rançon de la gloire, car les All Blacks en rugby, c'est l'attraction universelle. Pendant ce temps-là, le 15 de France est à Marcoussis, et ça s'échauffe sévère. À 48 heures du match contre la Géorgie, là ils font du French cancan en survêt. Là, avec les bras, ils font comme à la piscine, mais il n'y a pas d'eau. On se voit là où le destin nous amènera. L'important pour nous, c'est de gagner le match contre les Géorgiens, de prendre 5 points. Après, ça ne dépendra plus de nous, donc voilà, on verra bien. En plus d'une large victoire contre la Géorgie, il leur faudra espérer au bleu que l'Irlande l'emporte de plus de 7 points contre l'Argentine. Tout ça pour éviter les All Blacks en quart de finale. Bref, c'est arithmétique, un peu compliqué et surtout aléatoire. On a appris aujourd'hui la mort de René Demaison. Il était l'un des plus grands alpinistes français. Il est décédé aujourd'hui à l'âge de 77 ans. Ce miraculeux des hauts sommets a multiplié les records et créé parfois la polémique. Son portrait avec Philippe Rochaud. S'il est un homme qui a bousculé l'alpinisme traditionnel, c'est bien René Demaison. Originaire du Périgord, il n'appartenait pas au monde alpin, mais il a réussi à s'imposer dans le milieu très fermé à l'époque des guides de haute montagne. Avec notamment sa victoire à la face ouest des Drus. Ses exploits lui ont valu la jalousie, comme en 66, où il secourt deux alpinistes allemands coincés aux Drus, prenant de vitesse le secours en montagne. Il sera même exclu de la compagnie des guides. Pour Demaison, l'alpinisme c'était surtout l'hiver, comme en 68, à la face nord des Jorasses, une première. Mais il restera bloqué une semaine sur l'éperon central en 71 avec son compagnon de cordée qui y trouvera la mort. Là-haut, il restait des sacs à dos, une vieille corde tout hachée. Mais cet été, j'y retournerai là-haut, je passerai par le sommet. Et René Demaison y retournera, il signera cette première ascension de l'éperon des Jorasses. L'histoire de la montagne a surtout retenu les drames qui ont marqué sa vie, mais c'est oublié qu'il aura réussi 114 premières et un millier d'ascensions sur les montagnes du monde. Vous connaissiez la vente à la criée, eh bien voici le concert à la criée. Le principe est le même, celui qui donne le plus de voix gagne. Le spectateur obtient dans ce cas-là le privilège d'entendre le morceau de musique de son choix. Un véritable défi en tout cas pour les musiciens. À Toulouse, Antoine Gaveau, Olivier Combes. Au départ, cela ressemble à un concert de musique classique, très classique. Et puis après, plus du tout. Hier soir, l'orchestre de chambre de Toulouse a inventé le concert à la criée. La majorité de gens ont demandé du Purcell, du Pergolèse, du Marais et du Détouche. Ici, c'est comme au restaurant, un menu, plus de 50 œuvres et des spectateurs qui commandent au chef leur mets favoris, leur compositeur préféré. Peut-être la salade Gascon, ce serait la symphonie en ré mineur de JCF Bach, voilà, quelque chose déjà d'un petit peu consistant. Il y a des entrées qui sont plus légères, les menuets de Bach, voilà. Puis ensuite, il y a des plats. Alors les plats, c'est pareil, il y a des plats pour des petites fins, puis il y a des plats pour des grosses fins. De Purcell à Bartok, 500 ans de musique sont dégustés. Régulièrement, le public passe une nouvelle commande et la discussion s'engage. C'est une musique quelque part complètement abordable. Il suffit par contre de donner deux, trois ouvertures, de montrer où sont les portes,
Dans quelle énergie était le compositeur? Dans quelle époque il vivait? Qu'est-ce qu'il exprimait? 2 heures passées à table, une vingtaine de plats servis. Les spectateurs sont rassasiés. Le fait que le public puisse choisir, c'est génial, c'est sensationnel. Et c'est vivant, c'est surtout qu'on est moins statique, on est participant également. L'orchestre de chambre devrait renouveler l'opération pour rendre la musique classique accessible à tous. Oui, vraiment à tous. Avant de terminer ce journal, l'image du jour, c'est celle de cette sortie de tribunal à Marseille. Le tribunal pour enfants a condamné aujourd'hui à 8 ans de réclusion les 2 mineurs jugés pour l'incendie criminel d'un autobus en octobre 2006. Voilà pour l'actualité de ce vendredi. Merci à vous d'être fidèles au rendez-vous. Je vous retrouve demain pour 30 minutes d'information à 13h avec un nouveau rendez-vous, une nouvelle partie magazine dès 13h15. Dans un instant, la météo, Nathalie Rioux, suivie du point route avec Valérie Maurice. 20h50, une nouvelle série sur le fil. Passez une très belle soirée sur France 2.